Donc, c'est une séance de communication orale qui va contenir cinq présentations de nos anciens étudiants du Kharjoul Ahmad Ibn Khmeiz, auteur des mémoires de Garm. Donc, on a choisi cinq meilleures mémoires de 2016-2015. Charles les meilleurs travaux de fin d'études. En fin de séance, un deuxième vidéo produit par nos jeunes étudiants de Ahmed, qui va nous parler d'une journée typique d'un étudiant en sciences infirmières. Et sans plus tarder, on va commencer par des communications orales. On va appeler tout de suite Mademoiselle Schmack-Hanedi, qui va nous parler des principaux facteurs liés aux difficultés d'intégration de l'infirmier novice dans le service des urgences. Je rappelle à tous les étudiants qui vont présenter pour ne pas dépasser les 15 minutes, 10 à 15 minutes. Si le chiffre s'est très très gentil, elle, je risque de ne pas l'être. Mais n'est qu'un d'argile, on va l'arrêter. S'il vous plaît, respectez l'horaire que vous avez en partant. On y va, René. Merci, Dr. Yazid. Salut tout le monde, je suis René Dishmak. Je veux vous présenter mon mémoire de fin d'études intitulé « Les principaux facteurs liés aux difficultés d'intégration de l'infirmier novice dans le service des urgences ». Pour bien mener mon travail, j'ai organisé cet exposé en cinq grandes parties. Je commence par une introduction. Ensuite, je décris les différents matériels et modes méthodes, les résultats qui vont être discutés dans le chapitre discussion et recommandations. Enfin, ce travail sera achevé par une conclusion. Comme on a dit, je veux vous présenter notre introduction. Aux urgences, face à la complexité des pathologies, la multiplicité de leurs manifestations cliniques, l'afflux de patients, la charge de travail, le stress et une multitude d'autres facteurs, la compétence infirmière s'avère indispensable pour éviter les pièges liés à la subjectivité, la routine, l'empressement ou la systématisation des prises en charge. Cette compétence est ainsi souhaitable pour que l'infirmier puisse surmonter ces différents facteurs qui sont autant d'obstacles pour l'intégration des jeunes infirmiers dans le service des urgences. Qu'en est-il ainsi de l'infirmier novice qui est une personne qui n'a pas d'expérience dans la pratique pour accomplir sa tâche? Cette étape de la vie professionnelle de l'infirmier novice est ainsi caractérisée par une grande insécurité. Elle peut même, si elle est mal vécue par le jeune infirmier, se répercuter sur son avenir professionnel. Dans ce cadre, l'intégration du nouveau soignant dans le service des urgences peut représenter un problème, que ce soit pour lui, pour les anciens infirmiers, pour l'institution et aussi pour les patients et leurs familles. Pour cet infirmier, il est donc important de développer une stratégie d'accueil adaptée dans le but de mobiliser les ressources et les compétences du jeune professionnel et pour qu'il puisse surmonter les difficultés et les éventuelles mauvaises conditions du travail du service avec toute la confiance en soi et par la suite qu'il puisse donner une bonne qualité et sécurité de soins et de prise en charge des patients, surtout dans un service particulier comme les urgences. Comment vit donc l'infirmier novice affecté aux urgences cette situation? C'est donc dans ce cadre que s'intègre notre présent travail qui aura pour objectif, on a deux objectifs.
je veux commencer. Premièrement, identifier les facteurs qui sont à l'origine des problèmes d'intégration de l'infirmier novice dans le service des urgences. Et deuxièmement, analyser comment agir sur ces facteurs afin de réduire les conséquences possibles. En allant dans le chapitre matériel et méthodes, où on va trouver le type d'étude, qu'il s'agit d'une étude quantitative transversale de type descriptif, et le milieu et la période d'étude où il y a l'enquête s'est déroulée sur une période d'un mois du 7 mars 2016 au 7 avril 2016 dans 13 services des urgences des différents hôpitaux suivants. On a des hôpitaux universitaires régionales et circonscriptions. Hôpital universitaire Farhat Rached, Saint-Loul, Fatouma Bourguiba, Tahar Sfar, hôpital régional de Mseken, de Sarahel, de Moumine, hôpital régional Ibn al-Jazar à Faïraouen, hôpital de circonscription de Cheb, Maloulish et Jamel. La taille de l'échantillon est constituée de 50 infirmiers choisis selon les critères fixés à l'avance. On a des variables étudiées dans ce travail. On a les caractéristiques socio-démographiques des patients, l'accueil et l'intégration de l'infirmier novice, les conditions matérielles de travail dans le service des urgences, et enfin la charge mentale de l'infirmier novice dans le service des urgences et les facteurs associés. Pour étudier l'instrument de mesure, on a travaillé par deux instruments, un questionnaire rédigé en foncier auto-administré et comportant 25 questions, et un prétest pour notre questionnaire auprès de 5 infirmiers. Nos résultats sont présentés comme celles-ci. Il y a les caractéristiques générales des répondants, où on a trouvé 50 infirmiers exerçant dans 13 services d'urgence provenant de 12 hôpitaux et de 3 niveaux, circonscription régionale et universitaire. Une prédominance, 72% de la tranche d'âge entre 25 et 30 ans. 74% des répondants sont du genre féminin avec un sexe ratio à 0,35. La plupart des participants sont célibataires, 58%, ou mariés, 40%. 62% ont déjà une ancienneté de 1 an à 2 ans de travail. Je peux parler d'abord sur l'accueil et l'intégration de l'infirmier novice, où la répartition des enquêtés selon le bénéfice d'une période de stage nous a montré que 60% des infirmiers interviewés ont bénéficié d'une période de stage de quelques semaines au début de leur affectation pour faciliter leur intégration dans le service des urgences. La répartition des infirmiers selon la durée de la période de stage nous a montré que 50% parmi la population cible qui a bénéficié d'une période de stage au début de travail ont été accueillis pendant 15 jours à un mois. En ce qui concerne la répartition des accueillants pendant la période de stage au début de recrutement, on a trouvé que la majorité, c'est-à-dire 66,7%, des infirmiers novices ont été suivis au début de leur affectation aux urgences par le surveillant du service et où surtout 86,7% par les anciens infirmiers. En parlant sur les conditions matérielles de travail, on a trouvé que l'effectif des personnels selon l'effectif du personnel infirmier dans le service des urgences est moyennement suffisant pour 54% de la population cible. Et là, qui a un impact sur l'intégration de l'infirmier novice dans le service des urgences, où on a trouvé que 68,9% qui a dit qu'il y a un manque de personnel estime que ce facteur peut représenter un obstacle pour leur intégration aux urgences. La répartition des réponses des infirmiers novices sur la disponibilité
de matériel, nous a montré que 84% des infirmiers interrogés affirment qu'il y a un manque de matériel au niveau du service. Et 86% des interviewés qui affirment qu'il y a un manque de matériel disent que ce dernier peut représenter un obstacle pour leur intégration dans ce service. La plupart des infirmiers novices, 60% des infirmiers novices, sont qu'il n'y a pas de sécurité dans le service, en ce qui concerne le manque de sécurité. Mais il y a un impact sur l'intégration des novices. On a trouvé que 73,3% des participants qui ont dit qu'il n'y a pas de sécurité affirment que ce facteur représente un obstacle pour leur intégration dans le service des urgences. On va discuter dans ce chapitre nos résultats, dans le chapitre discussion et recommandations. Concernant l'accueil et l'intégration de l'infirmier novice, nos résultats ont montré que 60% des infirmiers interviewés ont bénéficié d'une période de stage de quelques semaines au début de leur affectation pour faciliter l'intégration dans le service des urgences, alors que 40% n'ont pas bénéficié de cette période. Parmi ceux qui ont bénéficié de cette période, il y a 50% ont été suivis durant une période de 15 jours à un mois, 10% durant une période supérieure à 2 mois. Selon l'étude de Ceci Souhaï et Charben Ahmed, on a trouvé 72,7% des nouveaux infirmiers ont été accompagnés entre une semaine et un mois. Dans ce cadre, la majorité des infirmiers novices ont été suivis au début de leur affectation aux urgences par les anciens infirmiers. Et il y a 86,7% et 66,7% par le surveillant du service. D'après ce qu'ils ont noté, Ceci Souhaï et Charben Ahmed, dans leur mémoire, il y a 75,8% des interrogés ont été suivis par le surveillant du service et 21,2% par d'autres membres de l'équipe. Pour analyser les conditions matérielles de travail dans le service des urgences, il paraît évident d'étudier l'effectif personnel infirmier dans le service des urgences qui est moyennement suffisant pour plus de la moitié. Il y a 54% qui affirment qu'il y a un manque de personnel, alors que 36% déclarent qu'il est insuffisant. Selon les résultats de Rdimeria, l'effectif du personnel infirmier dans le service, surtout la nuit, n'est pas suffisant pour la majorité, pour 70% de la population cible. À ce propos, la plupart de la population qui considère qu'il y a un manque de personnel estime que ce facteur peut représenter un obstacle pour leur intégration aux urgences. En ce qui concerne le manque de matériel, nous avons constaté que 84% des interrogés affirment qu'il y a un manque de matériel dans le service des urgences. D'après les résultats rapportés par Démélias, on a trouvé 100% de la population cible affirme qu'il existe un manque de matériel dans le service des urgences, surtout la nuit. De même, ce facteur représente un obstacle d'intégration dans le service d'après la déclaration de 86% des interviewés qui rapportent ce manque de matériel. Dans notre échantillon, la plupart des infirmiers novices interrogés, 60%, sentent qu'il n'y a pas de sécurité dans le service des urgences. Dans ce cadre, une enquête française en 2013 sur le titre « Hôpital, comment renforcer la sécurité des urgences » en montrant que ces derniers mois, plusieurs accès de violence ont eu lieu à l'hôpital, rappelle que les associations d'urgentistes demandent au gouvernement plus de moyens pour assurer la sécurité des personnels. Le manque de sécurité aux urgences est ainsi une réalité stressante puisque 73,3% des novices qui ont dit qu'il n'y a pas de sécurité affirment que ce facteur représente un obstacle pour leur intégration dans le service des urgences. À partir de nos résultats colligés, nous pensons que ces quelques recommandations peuvent améliorer la situation.
Il faut implanter systématiquement dans chaque hôpital un programme d'intégration pour les nouveaux infirmiers afin de faciliter leur intégration dans l'équipe de travail. Sensibiliser l'équipe de soins du service des urgences à l'importance de l'accueil et du suivi de l'infirmier novice. Développer la notion de mentorat auprès du personnel, encourager et sensibiliser les responsables de service et aussi l'État à améliorer les conditions de travail à travers une meilleure organisation dans le service des urgences. Faciliter grâce au leadership la résolution des conflits et favoriser l'ajustement du milieu de travail. Assurer plus de recrutement pour compenser le manque de matériel dans la mesure du possible. Sensibiliser les surveillants des urgences sur leur rôle dans la gestion des soins. Et revoir l'organisation du système de sécurité mis en place pour réduire le taux de violence. Enfin, ce travail sera achevé par une conclusion. Donc, le manque de suivi des infirmiers novices par les responsables du service des urgences et les anciens infirmiers, les mauvaises conditions de travail liées à une insuffisance dans l'organisation, la relation médiocre entre les anciens et les novices engendrant par la suite des difficultés et des conflits, le manque du personnel, le manque de matériel, le manque de sécurité au sein des urgences causant la violence et sur les infirmiers débutants, par les patients ou par leur famille, la complexité du travail, la charge mentale causée par la grande charge de travail sont les principaux facteurs que nous avons étudiés dans notre mémoire et qui représentent autant d'obstacles pour l'intégration de l'infirmier novice dans le service des urgences. C'est pour cette raison qu'il faut ainsi disposer de stratégies d'accueil et d'intégration des nouveaux soignants, de même que d'autres stratégies d'organisation de gestion, d'amélioration des différentes conditions dans le service des urgences. Merci pour votre attention. Merci René pour cette présentation. Merci aussi d'avoir respecté le timing. Elle a été à 14 minutes. Donc, il a valu comme suivre, c'est 14 minutes. Très bien, est-ce qu'il y a deux questions dans la salle? Sans rentrer dans le détail de la méthodologie, des résultats, etc. Mais en restant sur le général, le novice, les conditions d'accueil, d'encadrement de l'infirmier novice dans les hôpitaux. Vous avez aussi direction par rapport à votre vécu, les infirmiers, les qui par jour, comment ils ont été et ils ont vécu ça. C'est un exercice. Arracher les définitions déjà, l'objectif BA, les critères d'inclusion, les champions de terre. C'est quoi un infirmier novice? L'infirmier novice, c'est un infirmier débutant qui a une expérience légère, une expérience de 2 ans. C'est pas plus que 2 ans, c'est 2 ans et moins. Madame, je connais Ahmed, oui, infirmier après le recrutement. Un infirmier novice, c'est un infirmier qui est diplômé, qui a commencé à travailler ses premiers pas dans l'hôpital. C'est une année. Infirmier novice, c'est pendant la première année. Je des stagiaires. Débutant, Brarbi, débutant, qui vient de commencer. Les infirmiers débutants. C'est un débutant. Il ne faut pas le prendre comme... L'infirmier novice, c'est un infirmier débutant qui a une expérience légère après le recrutement. C'est pas un étudiant, c'est pas un stagiaire. C'est un infirmier qui vient d'être recruté. Il a moins d'une année de recrutement. Donc il commence sa vie professionnelle. Deux ans. Jusqu'à 2 ans
exactement. Jusqu'à 2 ans, il est un novice. Il commence avec un débutant, un novice, plus pour passer à un compétent, un performant, pour arriver au stade de l'expertise, arriver à un infirmier expert. Donc, il faut du temps. Donc, il a une petite expérience, une expérience de stage. Mais généralement, il est très dépendant de la théorie. Donc, il est très dépendant de la théorie. Donc, il n'a pas le sens d'initiative. Il n'est pas sécurisé. Donc, demain, il a un niveau de réflexion. Il prend l'initiative. Elle a évoqué le problème d'insécurité, etc. Mais normalement, jusqu'à 2 ans, il est un débutant. Il est un novice. Merci. Très bien. Vas-y. Merci Hélène pour la présentation. Vous avez parlé dans vos recommandations du programme. Je voulais savoir quels sont les composants ou les éléments de ce programme. Vous n'avez pas détaillé le programme. Je n'ai pas détaillé car j'ai parlé sur les conditions, les mauvaises conditions qui sont des problèmes dans le service. Ce n'est pas dans tous les services, mais exactement dans le service des urgences, car il est un service particulier. C'est déjà un problème pour l'infirmier novice. Un programme de formation peut-être. Oui, programme de formation surtout pour le surveillant du service. Eh bien, j'ai une question. وعليش ما تسجل تاع عندنا كريمي دوبسيرفاسيون مع الناس اللي هما من الوزير في الكيستيونير معناها باش لازم نحكموا بالحق في الكريتير يعني الكريتير يعني الكريتير يعني J'ai une petite expérience dans le service des urgences. On chauffe des conditions. On va mettre le questionnaire, on est à tête, le questionnaire avait pour les infirmiers novices. On va mettre un grid d'observation, c'est vrai. On a fait le critère avec. On a fait le questionnaire. On a fait les personnages. Merci. Voilà. On appuie une dernière fois. Je présente mon travail intitulé sur le concept du système du soir chez les étudiants infirmiers et son impact sur leur comportement professionnel. Travail réalisé par moi, bien sûr, et encadré par le docteur Faisasni. Donc, on va commencer par les plans, introduction, matériel et méthode. Résultats et discussions, recommandations et conclusions. Tout d'abord, on va commencer avec l'introduction. Le concept du style du soi est un concept abondamment utilisé et critiqué dans la littérature scientifique. Défini pour la première fois par William James comme la cohésion entre les aspirations et les excès d'une personne. L'estime du soi qui fait partie du concept selon ce pied du soi et selon l'approche psychopathologique considérée comme une dimension essentielle de l'identité, si la valeur qui individu se trouve attribuée à sa propre personne. Rosenberg dessine l'estime du soi comme l'attitude que chaque individu a envers lui-même, le respect et les considérations qu'il se porte. Ainsi que le sentiment qu'il a de sa propre valeur en tant que personne. Le développement de l'estime de soi est un processus continu qui commence de l'enfance.
dans lequel l'enfant établit une relation affective avec ses parents, puis il aura une interaction avec l'entourage, l'école, l'environnement social et le travail. Donc, les étudiants dans notre institut de sciences infirmières et infirmières hétérogènes, puisque ces derniers regroupent des étudiants avec des identités différentes, l'une de l'autre, des régions différentes, des mentalités variables, et probablement des équipes de choix variables aussi. Dans la salle, s'il vous plaît. Donc, notre objectif de travail et de varier le niveau d'estime de soi chez les étudiants en sciences infirmières et d'étudier son impact sur leur comportement professionnel au cours de leur formation de base. Donc, notre matériel et méthode, étude prospective, descriptive, quantitative, compilation de son étudiant infirmier, lié d'études, bien sûr, notre institut AMAT, et délai d'une étude à moi. Outil de requête des données, bien sûr, c'est un questionnaire auto-administré aux étudiants infirmiers. Méthode d'analyse des données, c'est un logiciel Microsoft Word et SPSS. Résultats et discussions. Donc, caractéristiques socio-démographiques. Notre population d'études est à prédominance féminine avec un sexe ratio de 0,67. Donc, la majorité appartient à la tranche d'âge entre 21 et 23 ans avec une moyenne d'âge de 23 ans et 81,5% des hommes qui sont célibataires. Donc, le tableau répartition des répondants selon les caractéristiques sociodémographiques. Donc, regardez, le niveau d'études de sciences infirmières. On a, la première année, 36,5%. Deuxième année, 27,5%. Et la troisième année, 136%. Donc, l'origine qui est dominante, c'est l'origine urbaine, 57%. La priorité des études en sciences infirmières sont, oui, qui ont la science infirmière comme la première étude, sont 53,5 et le reste sont 46,5 qui ont non, c'est-à-dire qui ont une étude depuis la science infirmière. Donc, le résultat des études universitaires infirmières, ce qui dit justement sont terminés. 155 et l'autre qui termine et entre un diplôme, bien sûr, 44. Donc, un peu de plus de la moitié des étudiants infirmiers en quête signalent que l'orientation pour ces métiers d'infirmier était plutôt un choix. C'est un choix. Donc, pour cet infirmier, alors que 22% affirment que c'était suite à une obligation partielle ou par nécessité. Économique 21%. Notre réponse est affirmée par la littérature. 21% des hommes qui étaient avancés qui ont choisi cette profession par vocation, alors que 62% des classes c'est juste pour avoir un emploi. C'est pour un emploi. C'est d'après la mémoire de Hossi Zubaïda. L'évaluation de l'estime de soi selon le score de Rosenberg. Rosenberg fait un échelle et je choisis cette échelle, bien sûr. Selon l'échelle d'évaluation de l'estime de soi de Rosenberg, nos résultats montrent que le score moyen d'estime de soi est égal à 27,62 plus ou moins 4,06. Donc, réponse affirmée par l'ATLIEM en 2010 dans une étude à l'Institut supérieur de sciences infirmières de Sousse, trouve un score moyen 29,7 plus moins 4. Pourtant, c'est un champion de 263 étudiants utilisés la même échelle, c'est la échelle de Rosenberg, bien sûr. Voici le tableau qui est sur les étudiants infirmiers, de 100 étudiants, bien sûr. Je trouve que le faible, regard de faible score d'estime de soi, 61% ont de faible estime de soi, malheureusement. Donc, on a seulement 22,5 plus faibles, 12% seulement moyen, 4,5% fortes,
tripole 0,5 malheureusement. Donc on a fait nos étudiants, quand je l'ai comparé avec notre étudiant, on estimait à 36,6% de pli, 21,8% en parallèlement une faible et forte estime de soi, alors que seulement 6% a une très forte estime de soi. Tandis que 14% des étudiants infirmiers ont très faible estime de soi. Donc, les étudiants thaïlandais aussi ont 34,3% une estime de soi moyenne. 8,3% ont une faible estime de soi. 9,2% ont une très faible estime de soi, alors que 12,5% ont une forte estime de soi. Donc, comportement professionnel des étudiants, les sentiments inquiets des étudiants appartenaient au corps infirmier. Du tiers des interrogés ont un sentiment de fierté d'appartenir au corps infirmier, alors que 14,5% ont un sentiment d'appartenir à ces corps accidentellement. La réponse affirmée par la curature, 43% des hommes ont exprimé avoir un sentiment de fierté d'appartenir au corps infirmier, alors que 24% disent appartenir accidentellement à ces corps. D'après le mémoire des ouvriers de la France, bien sûr. Répartition des étudiants, selon la confiance en l'avenir professionnel, bien sûr, c'est important l'avenir professionnel pour les étudiants infirmiers. On note que 35% des étudiants ont assez souvent confiance en l'avenir professionnel, 12,5% ont rarement confiance, alors que chez 6% seulement, cette confiance est totalement absente, malheureusement, bien sûr. Donc, la communication. Concernant la communication des étudiants dans notre étude, moins de la moitié trouve vraiment des difficultés à communiquer avec les patients, dans les stages bien sûr. De même que 41,5% rencontrent vraiment des difficultés de communication avec le personnel de santé. 30,5% des étudiants ne trouvent jamais des difficultés à communication avec les encadrés du stage. Alors que presque la moitié n'a aucun problème à communiquer avec leurs camarades étudiants dans l'institut, bien sûr, ou dans les stages. Sentiment de stress face à un problème au cours des stages. Notez que les étudiants ont beaucoup de stress dans les stages. Ces sentiments face à un problème au cours des stages est parfois présent chez 39% des répondants. Très souvent chez 9,5% et il est absent chez 14 des employés. Réponse affirmée par la curative, l'ICJ en apprentissage détient une capacité d'adaptation basée sur l'assimilation, l'accommodation et l'équilibration de sentiments d'espèce. C'est le travail pour Jim Piaget. La confiance en la performance professionnelle, c'est nécessaire, bien sûr. 33,5% des étudiants ont assez souvent, seulement 15,5% ont toujours confiance en leur compétence, alors que 15% ont rarement ce sentiment de confiance. Réponse affirmée par la curature, nous prenons la compétence et la première dimension, non pas pour son importance dans les discours des infirmiers, mais parce qu'il est préalable essentiel dans les pratiques professionnelles de qualité. Pour avoir une pratique de qualité. C'est d'après Dara Elisabeth. L'étude corrélative, je fais une étude corrélative sur avec les caractéristiques des populations. Le genre, bien sûr, l'estime de soi faible est représentée chez le sexe masculin que féminin. 61,3 parce qu'il a 60,8 chez le sexe féminin, le genre féminin. Corrélation du score d'estime de soi avec l'âge. Les étudiants infirmiers âgés de plus de 30 ans ont ceux qui ont plus faible estime de soi. Mais aucune corrélation entre l'estime de soi et l'âge ne peut être établie. En effet, certains effectifs sont infirmiers à 5, donc l'étude n'est pas valide. Corrélation du score d'estime de soi avec les niveaux d'études, 65,4% des étudiants de la deuxième année ont une estime de soi faible, suivi par celle de la troisième année avec 62,5% des étudiants ayant une estime de soi faible, alors que celle de la première année vient en troisième position en 56,1% présentant une estime de soi faible.
Oui, l'action du sport qu'il soit avec le sentiment du stress face à un problème rencontré au stage. Je dis que Dieu, parfois, on a le sentiment du stress face à un problème rencontré au cours du stage et ayant une faible estime de soi représente 70-75%, alors qu'il existe des gens qui arrivent assez souvent à maîtriser leurs événements et qui ont rarement réagi avec difficulté à ces événements inattendus, ont également une moyenne estime de soi avec respective 69,7-69,2. Du corrélation avec le problème rencontré au stage et d'après du FIRA, a montré dans sa mémoire de fin d'études qu'une bonne estime de soi et un sentiment de compétence influence positivement l'état d'un individu, ce dernier se laissera moins submergé par les émotions et le stress. Donc, le profil de l'étudiant de notre institut. D'après nos résultats, le profil des étudiants a permis d'avoir une faible estime de soi et un étudiant du genre masculin, âgé plus de 30 ans, marié, d'origine urbaine, ayant commencé des études autres que la science infirmière sans terminer, orienté à ses métiers par choix et qui a le sentiment de fierté d'appartenir à ses corps. Notre recommandation, améliorer les relations des étudiants infirmiers avec son encadreur, avec les encadreurs et avec les autres personnels de santé, par une meilleure reconnaissance de l'importance du rôle de chacun. Développer et encourager l'art de créativité des étudiants par le biais de création de différentes associations pour définir infirmières responsables du producteur. Développer les recherches sur le style de soi des étudiants infirmiers et son impact sur le comportement professionnel. Pour renforcer l'estime de soi, il faut, entre autres, être positif et regarder toujours du côté de la solution. C'est regarder avec tendresse et bienveillance. Mesurer les critiques intérieures. Conclusion. Bon. L'estime de soi est un passeport pour la vie. C'est la conscience de sa valeur personnelle qui ont aussi reconnu dans différents domaines. L'individu dans ce cycle d'idées personnelles subit des mutations sur son identité personnelle et surtout son identité professionnelle. Il faut surtout améliorer les côtés relationnels de l'étudiant infirmier et développer son arc de communication avec les autres, bien sûr personnel de santé et le malade. Les étudiants infirmiers subissent des problèmes communicationnels et relationnels, pouvant influencer leur estime de soi au cours de la formation en soins infirmiers et surtout au cours des stages hospitaliers qui représentent les miroirs de leur comportement professionnel. En effet, l'estime de soi reste toujours un passeport à la vie professionnelle des étudiants infirmiers en tant que compte de leur avenir professionnel, car que future infirmière responsable et compétente. Merci pour votre attention. Bien sûr, on va remercier Taïra pour s'exposer. Merci. Et puis, on va essayer de voir s'il y a deux ou trois questions. Bah, des fois, des questions, on aura du côté d'Edea. Est-ce qu'il y a une ou deux questions? Pour cette présentation, ce sujet en fait est très important et ça concerne en fait toutes les branches des étudiants dans notre pays. En fait, juste ma question, est-ce qu'il existe ce qu'on appelle celui du cours ou un psychologue qui fait l'entretien avec les étudiants au cours de leur étude, c'est-à-dire au niveau de l'institut?
Et en fait, je pense aussi cette première distance de soi, ça commence déjà avant que l'étudiant entame ses études d'ancien infirmier, c'est-à-dire dans sa famille, c'est-à-dire l'envie de ses parents, est-ce que ça peut influencer son choix, c'est un choix qu'il y a plus que 30% des parents qui n'ont pas, oui. qui n'ont pas choisi l'ancien infirmier, donc il est un peu imposé, ah, bah. 14 ans. Quand même, c'est, ça peut influencer le style de soi. Autre chose, je pense que l'enseignant, l'encadreur, peut aussi soit pénaliser cette faible style de soi ou la renforcer. Je pense que les enseignants peuvent influencer beaucoup cette sensation de style de soi. Tout à fait. Voilà. Ça, merci. C'est un élément de réponse. Si on s'est une question, c'est normal. Ouais. Sinon, c'est bon. Non, c'est bon. Ça m'a dit. Donc, mais l'estime de soi, on a dit que c'est un processus évolutif qui commence dès l'enfance et évolue avec toutes les étapes de la vie de la personne. Donc, l'estime de soi n'est pas un concept momentané. On ne peut pas évoluer momentanément l'estime de soi, mais dans ce travail, on a évolué. Mettre le point sur l'estime de soi des étudiants et son impact sur leur comportement professionnel dans le but d'évaluer leurs compétences et leur travail. L'infirmier novice, s'il a un bon estime de soi, peut s'intégrer facilement dans le groupe. S'il a une faible estime de soi, c'est très difficile de s'intégrer dans le groupe. L'estime de soi, c'est un processus aussi qu'on peut l'améliorer avec le temps et on peut l'améliorer. C'est pas un quelque chose qui ne peut pas qui est là. C'est un processus qui s'améliore si on le veut bien. Tout à fait. Merci. Donc, ce sujet est vraiment très intéressant. J'aimerais juste ajouter par rapport à l'image de cette personne-là, c'est très significatif. Il ne faut pas tomber dans le piège de la supériorité. Certainement, il faut savoir bien reconnaître ses compétences, croire en soi, mais il faut savoir bien respecter ses limites et bien, c'est-à-dire agir à ses limites de son rôle. Ça, c'est très intéressant, mais c'est un travail vraiment très. Moi, j'ai une question aux étudiants qui sont dans la salle. Quels sont ceux qui se reconnaissent une forte ou très forte estime de soi? Lève la main dans la salle. Les étudiants. C'est tout. Faites-toi suivre, Kadesh. Cette journée entre dans le cadre du renforcement de l'estime de soi. Donc elle est en train de renforcer le besoin d'appartenance. Et ce besoin d'appartenance, certainement, il va nous donner une confiance en soi et l'estime de soi. Donc s'il y avait une baisse de l'estime de soi chez quelques étudiants, ça s'explique bien sûr après la révolution. Et à ceux qui ont fait une licence avant licence infirmière sont revenus. Et à ceux qui ont passé 2-3 ans sans études puis sont venus. Et à ceux qui veulent peut-être atteindre un score moyen au moins tous, ça s'explique. L'estime de soi baisse chez les étudiants, ça s'explique. Mais je suis certain que au moment où ils vont nous quitter, ils vont quitter un mec pour entrer dans le milieu professionnel, certainement vous avez tous vos estimes de soi qui est élevée, ça c'est sûr et certain. Juste une remarque pour vous, un excellent mémoire, un excellent travail, mais mal présenté. Vous devez renforcer votre prononciation en langue française. Vous êtes excellent, vous parlez juste, vous faites beaucoup de choses, mais juste la prononciation. Donc vous voulez la même chose. Merci, Zahra.